Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue à ce live, à ce rendez-vous où j'ai vraiment envie de vous partager de cœur à cœur des secrets que je n'ai jamais livrés à ce jour quant à ma pratique et j'ai envie de vous parler, de vous partager ouvertement justement que tout a commencé pour moi avec l'apparition de la Sainte Vierge Marie. C'est vraiment nouveau pour moi d'en parler publiquement, donc je suis vraiment ravie de vous accueillir sur cette page et de vous raconter un peu plus sur mon parcours entre comment je suis devenue thérapeute et surtout comment je suis devenue coach quantique. Voilà, parce que ça a été vraiment le fruit de tout un cheminement. Donc dans ma story à la une, vous avez déjà ma biographie sur mon parcours personnel. Ceci, je vais vraiment faire un zoom sur mon parcours en tant que thérapeute, en tant que coach aujourd'hui, en tant que chamane aussi. Voilà, on va poser les choses. Ça fait... Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Et si à un moment donné vous me rejoignez en replay, n'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Je pense que je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment les choses ont commencé pour moi en tant que thérapeute, je pense que ça vient déjà de bien bien loin. Parce que quand j'avais 7-8 ans, j'avais déjà le rêve d'être avocate ou d'être thérapeute. Donc il y avait vraiment déjà cette envie d'être là pour la cause des gens, d'être là pour défendre et prendre soin des gens. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que moi je suis native de Madagascar. Et donc je nais dans un terrain chamanique, parce que c'est très normal chez nous d'avoir un guérisseur pour prendre soin de nous. Et à ce moment-là, quand ma mère m'amène au niveau de certains guérisseurs, il voit déjà en moi cette potentialité. Bonjour Lydie. Il voit déjà en moi cette potentialité de pouvoir guérir les gens. Et certains guérisseurs ont voulu me former. Certains m'aimaient bien, justement. Et moi, ça me faisait très très peur parce que le chamanisme tel que c'est vécu chez moi dans mon pays me terrifiait, parce que quand je voyais justement ces guérisseurs se déposséder de leur corps, moi ça me terrorisait vraiment. Bonjour. Bonjour. Ça me terrorisait vraiment et je me suis dit mais jamais, j'ai pas envie de devenir comme eux, j'ai pas envie de vivre ça comme eux si un jour il m'arrive d'être guérisseuse. Et justement, quand j'arrive en France, je suis super contente parce que je me suis dit, waouh, génial, parce que là, je suis loin de tout ça, j'ai pas envie de parler de tout ça, quoi. Voilà. Et en même temps, durant toute mon adolescence, il y a quand même un terreau assez incroyable parce que les gens aimaient venir parler avec moi. Et je me rappelle bien, notre gardien, il disait, je comprends pas, les gens font la queue pour venir te voir. Moi non plus, je comprenais pas pourquoi. Et déjà, à partir de ce moment-là, on me disait que j'avais une écoute particulière, que j'avais des conseils très particuliers. Les gens se sentaient bien quand ils se confiaient à moi. Donc ça, ça a été déjà, je pense, les prémices de tout ça. Et puis, bon, ben, j'arrive en France, je me suis dit, bon, voilà, je suis loin de tout ça, j'ai pas envie que ça se manifeste comme ça, donc voilà, je suis épargnée. Et puis, je vis cette séparation très difficile, qui vraiment m'effondre et m'amène dans ces méandres de mes souffrances où vraiment je me voulais morte tellement c'était difficile et dur pour moi de supporter la décharge émotionnelle à ce moment-là. Et vraiment dans cette période de complètement sombre dans lequel j'étais et où j'ai fait le choix de vivre, où je me suis dit bon là j'ai envie de vivre, j'ai envie de remonter la pente. Je rencontre une chamane qui m'aide parce que j'ai eu des torticolis chroniques, j'arrivais plus à tenir ma tête, aucun ostéo arrivait à me remettre en place vraiment. Et je rencontre cette chamane justement. Hey, coucou, bienvenue. Je rencontre cette chamane qui m'aide à me relever de cette épreuve, de cette déception amoureuse et me reconstruire et me restructurer. Et je commence à regagner vie avec elle. Et dans ce moment-là où je me suis fait cette promesse que si je guéris, si je remonte la pente, je vais vraiment consacrer ma vie à passer le relais, à passer, voilà, à aider les gens aussi comme moi à retrouver leur chemin. Et c'est ce que j'avais déposé dans mon cœur. Et en fait, dans cette remontée, il m'arrive un jour
après un soin, je me rappelle très bien de ce moment-là où j'ai une apparition de la Sainte Vierge Marie. Et là, je me dis, ah, immédiatement, je suis dans le déni. Je me dis, c'est pas possible, c'est mon imagination. Ça ne peut pas être vrai. Pour moi, ça ne pouvait pas être vrai parce que moi, je ne suis pas croyante, je ne suis pas pratiquante. Je ne peux pas dire que je suis croyante parce que j'étais assez sceptique. Mon enfance a été tellement difficile que je me suis dit, mais enfin, s'il y a un bon Dieu qui existe, ce n'est pas possible que moi, je puisse vivre une telle souffrance. Ce n'est pas possible que sur Terre, on puisse avoir la misère. Donc, j'étais assez en révolte avec la religion. Donc, voilà. En plus, quand j'étais enfant, du coup, et adolescent, j'allais au catéchisme pour faire plaisir à ma mère et surtout pour manger les gâteaux, parce que c'est ça, pour chanter et manger les gâteaux, c'est ça qui m'intéressait. Alors que mon frère était quelqu'un de très très pieux. Mon frère, il est pieux, il est croyant, il est pratiquant, il donne des cours de catéchisme, donc pour moi c'était impossible que ça pouvait m'arriver à moi, moi qui n'y croyais pas et qui portais très peu d'attention à la religion, quoi. Donc quand j'ai cette apparition-là, j'en parle justement à la chamane qui m'accompagne et elle me dit, ben maintenant il est temps que tu deviennes la chamane que tu es. Ah mais là, je pleure toutes les larmes de mon corps, je dis non mais moi j'ai quitté mon pays pour qu'on me laisse tranquille, c'est pas pour qu'il y ait tout ça. Et puis je lui dis ouvertement, de toutes les façons c'est mon imagination, moi si j'ai pas des preuves, je n'y crois pas. Donc je lui dépose ça comme ça. Et en fait, c'est assez incroyable parce que 15 jours après, pile poil, mon frère a des douleurs dans le dos et il va à la chapelle. Et mon frère habite en Suisse. Il va dans une petite chapelle de son quartier pour prier. Et là, il rencontre quelqu'un, un homme, qui lui parle une langue qu'il ne connaît pas et qui lui remet un livre. De manière très automatique, mon frère me poste et m'envoie le livre. Et lui-même, quelques jours après l'avoir envoyé, il me dit « Écoute, je t'ai envoyé un livre, mais c'est une histoire très étrange. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je l'ai fait de manière très automatique. » Et moi, je lui dis « Encore mon frère qui a envie de me convertir à sa religion et tout. Qu'est-ce qui me gonfle avec tout ça ?» Et en fait, je reçois le livre. Je le lis. En fait, il s'agit d'une avatar de la Sainte Vierge Marie qui a eu la même apparition que moi. Et là, je vous promets que là, j'ai commencé, je me suis assise et je me suis dit, je crois que là, ce n'est pas des cracks. C'est waouh, c'est une véritable apparition que j'ai eue. Et je me suis dit, bon, là, j'ai eu la preuve que c'est vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, et si je rentre en contact? Et c'était la première fois de ma vie que je rentrais en contact avec un ange, quoi, et de rentrer en communication et de converser. Et c'était assez étrange d'ailleurs, parce que dans ces périodes-là, j'avais l'impression parfois que j'avais une odeur de rose qui était toujours là, qui venait de temps en temps émaner de moi. Je me retournais pour voir s'il y avait quelqu'un. C'était vraiment une expérience assez intéressante. Donc je rentre en communication avec elle. Et là, je commence à avoir pas mal d'instructions, de choses à faire. J'avoue que de manière très ouverte et avec foi, parce que je me suis abandonnée à ce qui est là, j'ai suivi tout ce qui m'a été demandé de faire. Et de là, elle me donne l'information que je vais rencontrer deux personnes, un homme et une femme, et qu'à l'issue de cette rencontre, je vais avoir une transe. Et ça va être le début de mon initiation. Et donc moi, je reçois des flashs à ce moment-là. La femme, je l'ai déjà rencontrée, donc ça c'était fait. Mais l'homme, cet homme, ben, il fallait que je le rencontre, je ne sais pas. Donc j'en parle à ma chamane, je lui dis, ben voilà, j'ai besoin de rencontrer un homme pour canaliser, parce que j'ai une transe qui va arriver et mon initiation va commencer comme ça. Et donc je recherche cet homme et la chamane, moi dans mon imagination, c'était un vieux chaman, un vieux croton que je vais trouver au fin fond de je ne sais où. En fait, les seuls éléments que j'avais, c'est que de manière claire, j'avais une clarté sur où habitait cette personne, sa maison, tout était très clair pour moi, mais je n'avais pas le visage de la personne. Et,
Et j'avais juste quelques éléments de lui, mais pas tout de lui. Et donc, moi, je cherche. Le chaman me dit, je trouve quelqu'un en Dordogne. Je dis, non, c'est pas lui, je le ressens pas. C'est pas ça du tout, c'est pas lui du tout. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un accident avec ma voiture. Et de là, j'étais assez sonnée. Je me suis dit, ah là, j'ai vraiment envie d'écouter, d'entendre des bonnes choses. Je vais aller sur YouTube, histoire de regarder, voilà, d'avoir des énergies positives. Je vais regarder, je ne fais pas de méditation, peu importe sur quoi je tombe. J'ouvre mon ordinateur. Et quand j'ouvre mon ordinateur, qui est en face de moi? La personne que je recherche. Et je me dis, mince, c'est lui. Et je me vois refermer le clapet de l'ordinateur en me disant, non, mais ce n'est pas possible. Mais je rêve. La personne que je cherche, c'est lui. Et je le retrouve dans YouTube en ouvrant mon ordinateur. Et en même temps, très surprise, parce que bah, ce n'est pas du tout un vieux croton, c'est un jeune homme, il avait à peu près mon âge, puis un bel homme en plus. Donc je dis, oh là là, ça ne va pas arranger les choses, cette histoire. Et voilà, et donc qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. Et donc au moment où j'appelle cette personne, je lui dis, écoutez... voilà, je lui raconte mon histoire, mais je dis, écoutez, voilà, moi j'ai besoin de savoir si vous êtes la bonne personne. Par contre, vous n'allez rien me dire, je vais décrire comment c'est chez vous. Et je décris sa maison, comment c'est, tout ça et tout ci. Et il me pose la question, vous êtes déjà venu chez moi? Je dis, mais absolument pas. Il me dit, mais parce que c'est chez moi que vous décrivez là. Je dis, alors c'est bien vous. Et à ce moment-là, je fais le choix d'aller rejoindre cette personne, d'aller rejoindre cette personne, c'est au fin fond de la Belgique, au fin fond de la Belgique, et il accepte de me rencontrer en plus à un moment donné, il donnait un stage de Kundalini, donc rien n'arrivant au hasard, c'était assez intéressant pour moi. Sauf que, oh là là mon Dieu, je vais vous raconter tout. Aïe aïe aïe. Sauf que quand je rencontre cet homme est en fait marié. Cet homme a une relation. Et moi, quand je vois cet homme, d'abord on s'entretient par Skype et je ne comprends pas pourquoi je suis éprise de cet homme alors que je ne le connais pas. Je tombe amoureuse de cet homme et je ne le connais pas. Et moi, je me rappelle très bien, j'ai rappelé la personne en disant, écoutez, moi je ne vous connais pas du tout. En plus, je suis très très gênée parce que vous êtes un homme, vous êtes en relation et moi, j'ai des sentiments amoureux, je ne comprends même pas d'où ça sort, je ne comprends pas d'où ça vient. Et voilà, moi je dis, je me sens très très gênée et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de venir vous voir. À cela, je découvre le lien karmique et je découvre en réalité que en fait, j'ai un lien karmique avec cet homme qui fait que dès lors que le contact se fait, il y a un sentiment amoureux qui est là que je ne peux pas contrôler, que je ne pourrais pas contrôler malgré moi d'ailleurs. Et donc, de là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que moi, j'ai besoin de lui et pourtant, moi, je ne me sens pas d'aller le voir parce qu'il est hors de question. Que j'aille le voir avec ce sentiment amoureux que je ne pourrais pas, je savais pertinemment que je pouvais, mais c'est comme un feu qui me montait comme ça, je ne pouvais pas contrôler. Et donc je lui dis, je ne viens pas, je ne viens pas vous voir, on fera autrement, je ne viens pas vous voir. Et là mon corps se met en vrac, j'ai le dos en vrac et je comprends bien que du coup c'est la solution. Et à l'instant où je dis ok, je viens, à l'instant je me rappelle, j'étais sous ma douche, j'ai dit mais par pitié quoi, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Parce que par pitié, je ne veux pas passer par là. Et à l'instant, j'étais dans ma douche pour soulager mon dos. J'ai dit, ok, je vais y aller. À l'instant, poum, toutes mes douleurs ont disparu. Truc quand même assez incroyable. Je l'appelle, je lui dis, écoutez, je viens à une condition, c'est que vous restez dans votre espace et que vous ayez vraiment le contrôle de la situation. Si vous ne rentrez pas dans mon espace, moi, je vais gérer la mienne. Et me dit, ne t'inquiète pas, moi, je gérerai. Je saurais rester à ma place. J'ai dit, ok, dans ce cas-là, oui, je viens. Donc, je vais voir cette personne. Mon entourage s'est inquiété. Ils ont dit, mais ça y est, on l'a perdu. Et en fait, je vais le voir. Et en fait, on fait la séance chamanique pour que ça commence. C'est comme ça, c'est dans mes racines, donc c'est comme ça que ça a été posé pour moi.
Ça a été vraiment intense d'ailleurs, c'était assez incroyable. Il avait filmé et moi, je me disais pas possible que ce soit moi, et pourtant c'était vraiment ça. Donc voilà, et en même temps, j'ai été en lien avec cet homme. Et je me rappelle très très bien de mon retour en Belgique où je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai fait quelque chose d'horrible, comment j'ai pu être avec cet homme alors qu'il était marié, il était avec quelqu'un, enfin il n'était pas marié, mais je ne peux pas cautionner ça, je ne peux pas cautionner qu'on m'ait envoyé dans un lieu comme ça. Et en fait, sur mon chemin de retour, tout est aligné en même temps. J'avais quelqu'un qui me logeait sur place dans la ville de Belgique. Enfin, tout était aligné. Et la personne chez qui je logeais me disait sur mon chemin de retour, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire, Armel, comment je peux t'aider? Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai juste besoin de respirer. Si tu veux, j'ai dit, on sort, j'ai juste besoin de respirer. Et elle me dit, ah, mais... tu sais, il y a un lieu saint pas loin, si tu veux, on va s'aérer. J'ai dit, mais mon Dieu, ça s'arrête jamais, en fait. Jamais ça s'arrête. Jamais ça s'arrête. Et donc, je vais dans ce lieu saint qui est Banneux, pour ceux qui sont en Belgique, je ne sais pas si vous connaissez ce lieu. Je vais à Banneux. C'est un lieu saint comme Lourdes, en fait. Et j'arrive. Et je connais tous les lieux, je connais tous les recoins de cet endroit-là, alors que je ne suis jamais allée. Et je me dis, j'ai un sentiment d'être chez moi ici. Et puis en visitant, à un moment donné, j'arrive à un lieu. Et ce lieu en question, c'est exactement le lieu quand j'ai eu l'apparition de la Sainte Vierge Marie. C'était à cet endroit-là que je me suis visionnée avec elle. Et là, je tombe à genoux pleurant en me disant, mais c'est pas possible que ça puisse être aussi vrai, quoi. Et là, je hurlais au fond de moi, je me suis dit, mais quelle expérience, on m'a fait venir ici, j'ai vu cet homme, c'est pas possible, quoi. C'était vraiment pour moi une expérience violente, et puis je hurlais ma colère comme ça en disant, mais c'est pas possible, vous m'avez fait venir voir cet homme, vivre des choses comme ça, et en même temps, je suis là, quoi. Et j'ai une autre apparition qui me vient. Donc moi, je ne connais pas la Bible. Une autre apparition qui me vient et qui me dit, on m'a demandé de tuer mon fils pour prouver ma foi. Bienvenue dans le royaume des cieux. Je me dis, ok. J'appelle mon frère. Je dis, attends, mais c'est qui cet homme? C'est qui? Il me dit, c'est Abraham. Et donc là, je me suis dit, waouh, là, je suis complètement dépassée par ce qui m'arrive, bien sûr. Et là, j'ai compris. J'ai compris en fait que l'expérience que j'ai vécue auprès de cet homme m'a permis de sauter tout jugement par rapport à l'humain. Que si je devais être thérapeute, c'était important pour moi de comprendre les deux faces de la pièce et que je n'ai pas de jugement. Et c'est à travers cette expérience, vraiment, véritablement, et je l'ai senti à l'intérieur de moi, que quelle que soit l'attitude d'une personne, il y a forcément une raison derrière, que je n'avais pas de jugement à donner. Donc ça a été vraiment un réel pas apprentissage pour moi. De là, bien sûr, quand j'étais en communication avec la Sainte Vierge Marie, donc on est en contact avec le Christ, donc c'est voilà. Donc la communication, elle se fait. Et puis peu de temps après, puisque tout s'ouvre et tout est ouvert, je suis levée un matin par l'archange Gabriel. Je vous garantis que tout ça, pour moi, je suis très cartésienne. Donc moi, tout ça, c'était vraiment... ça arrivait qu'à certaines personnes perchées, ça ne pouvait pas m'arriver à moi, quoi. Moi qui suis cartésienne, qui a fait une série S, c'est pas possible, quoi. Et pourtant là, hop, je suis levée un matin, archange Gabriel, je dis, ah d'accord, ça existe vraiment. Et je ressens en écriture automatique le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires. Et à partir de là, j'ai compris que vraiment... la déprogrammation des mémoires cellulaires va faire partie de mon approche, ça va faire partie de mon don. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, quand j'ai accompagné les gens, j'ai vraiment eu accès à la multidimensionnalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller dans la ligne du temps, qu'il n'y a pas de... le temps n'existe pas en soi.
Et ça m'a permis de jumper en fait la ligne du temps, d'aller à la racine des problèmes. Ça m'a ouvert vraiment cette porte au niveau des annales akashiques, c'est-à-dire le karmique, les vies antérieures. Là, j'ai compris que les vies antérieures existaient vraiment. C'était pas du blabla, quoi. C'était vraiment quelque chose de concret. Et de pouvoir voir ça comme ça. Donc, j'ai eu pas mal d'expériences assez mystiques comme ça, comme des sorties de corps, alors que j'ai pas du tout... J'ai pas voulu ça dans le sens où je n'ai pas eu d'intention. J'ai juste médité et ça m'a permis de vivre ces expériences. Mais je pense qu'au-delà de ça, je suis quelqu'un qui avait vraiment besoin d'avoir des preuves de ce que je vivais. Vraiment, parce que là, on est vraiment dans une autre dimension, en fait. Et à partir de là, mon intuition s'ouvre vraiment. Et au début de ma pratique... au début donc de ma pratique, j'ai eu une pratique très très chamanique au départ. Au départ, c'était très conventionnel. D'abord, les 6 premiers mois, c'était très conventionnel parce que j'ai fait une formation en PNL, en coaching. J'ai commencé ma formation en hypnose. Donc, j'étais une bonne élève suivant les protocoles. Donc, voilà. Mais ça n'a pas duré vraiment longtemps. Et quand tout ça, s'est éveillé en moi... J'ai eu en tout premier lieu une pratique qui était très chamanique, c'est-à-dire que vraiment c'était assez impressionnant. Je pouvais fumer le tabac en pleine séance, les gens ils venaient, j'ai dit ok, je te vais prendre une douche, je mettais des plantes, donc c'était assez c'était assez chamanique, on va dire. Et puis à un moment donné c'était assez impressionnant quand même de la manière dont ça se manifestait, assez pour que certaines personnes aient peur, certaines personnes ont eu peur. Je me suis aussi questionnée de est-ce que c'est cette voie-là que je veux vraiment. Et là, j'ai compris qu'en fait, en tant que thérapeute, j'avais le choix. C'est comme si j'ai été connectée sur plusieurs fréquences et j'avais le choix sur la fréquence sur laquelle j'avais envie d'être. Et je me suis dit, la voie chamanique, je ne me sens pas appelée par la voie chamanique. Je sais que c'est quelque chose qui est connecté à moi. Et quand j'ai un patient qui est en face de moi, s'il y a besoin d'être sur cette fréquence chamanique, j'y suis. Mais c'est pas... Par contre, ce n'est pas... Je ressentais que ce n'était pas vraiment là où j'avais envie d'être vraiment, de me développer en tant qu'accompagnatrice. Et donc... Ok, donc ça c'était un fait, j'ai fait ce choix-là, j'ai dit ok. Donc là j'étais dans vraiment une fréquence christique, on va dire, avec la Sainte Vierge Marie. Et donc, du coup, quand j'accompagnais, je disais souvent, on me dit que. Ben oui, parce que je recevais les informations, donc je dis ok, on me dit que. Et puis, j'avais une table dans mon cabinet, je posais les mains pour ressentir, pour faire mes soins. Donc j'étais à la fois dans l'échange d'abord et à la fois dans les soins par rapport aux mains. Et donc mes séances duraient 1h30. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en même temps, je me sentais fortement appelée par la quantique, par la notion d'unité et de la non-dualité. Il y a vraiment quelque chose qui me plaisait dedans, dans le sens que j'aime le fait de dire que tout est un. J'aime le fait de dire que tout est moi, tout vient de moi. Et j'aime la dimension quantique, certainement parce que dans mon histoire, il y a vraiment un besoin de reprendre pouvoir sur mon humanité. Et puis après, je me suis très vite orientée vers des personnes qui étaient plus dans cette vibration-là, dont Franck Lopvet, dont Christophe et Karine Alain, dont Jean-Pierre Martinez. Et ça me parlait beaucoup plus, cette façon d'être en connexion directe, plutôt qu'avoir cette interface de lecture qui était cette énergie christique ou les archanges. Donc je me sentais davantage connectée à cette connexion directe-là. Donc forcément, je me suis orientée plutôt vers eux dans mes processus, dans mes formations qui vont suivre. Et là, en fait, je découvre auprès des formations que j'ai eues et des accompagnements individuels que j'ai eus, que en fait, la lecture des annales akashiques, autant que le fait de poser les mains, était une interface de lecture, et rien qu'une interface de lecture. Et donc, je me dis, waouh, trop génial, moi, c'est ce qui me convient vraiment.
Et moi, ce qui me convient vraiment, c'est de me connecter directement à l'autre pour obtenir l'information de ce que j'ai besoin de changer. Sauf que ça me demandait de prendre l'entière responsabilité de mon intuition. Ça a été vraiment toute une démarche vraiment de prendre la responsabilité de ce que je connecte et de ce que je dis. Mais à la fois, ça me paraissait être plus aligné et ça avait du sens pour moi de prendre la responsabilité de ce que je dépose quand j'accompagne. Et donc, je fais ce choix d'être dans cette fréquence-là, qui est cette fréquence de l'unité vraiment, et dans cette connexion directe. Et en fait, c'était assez intéressant parce que quand on est vraiment dans cette mouvance, on va dire, on dissout l'image. C'est-à-dire que on dissout, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné, l'énergie christique, d'ailleurs je dis la fréquence christique ou la fréquence chamanique ou celle de la Sainte Vierge Marie, tout ça est là, mais tout ça aujourd'hui, en termes de fréquence pour moi, c'est comme si je me connecte à cette fréquence, mais en réalité c'est même pas moi qui me connecte. Ça veut dire, et bonjour à tous qui sont là, Marine, bienvenue. Ça veut dire que si par exemple une personne vient me voir en séance individuelle, ce n'est pas moi qui décide de, tiens, je vais me connecter au Christ, ou non, moi je ne sais rien, moi. Moi quand je suis en séance, je fais mon job, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que la personne puisse se libérer de ces schémas, de ces blocages qui sont là. Moi, je laisse faire complètement. Et donc, parfois, je ressens bien qu'on est dans une fréquence chamanique parce que c'est vraiment ça qu'il faut. Parfois, je sens bien qu'on est dans une fréquence plutôt christique parce que c'est ça qu'il faut. Parfois, je sens vraiment que on va être branché dans le paradigme de la neuroscience parce que c'est ça qu'il faut. Donc, tout dépend, ou spirituel, ou tout dépend de ce que la personne dépose, en fait. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que je ne décide pas. Il y a une personne qui m'a contactée en me disant, « Armelle, est-ce que tu veux bien faire des séances pour moi ? Parce que là, j'ai une mémoire dans mes vies antérieures et j'ai besoin de débloquer cette mémoire dans les vies antérieures. » Et à cela, je lui ai répondu que ce n'est pas moi qui décide. Donc, ce n'est pas moi qui décide, ça veut dire dans le sens où, quand une personne vient me voir, je vais aller là où la mémoire est la plus dense et où elle a besoin d'être déprogrammée. Ça veut dire que mon intention, c'est d'aller dans l'espace-temps où la mémoire est la plus dense et à déprogrammer parce que c'est à cet endroit-là, c'est l'endroit le plus essentiel. Parce qu'après, c'est comme un château de cartes, il y a tout qui s'effondre après, donc c'est ça qu'il faut en fait. Il y a tout qui se libère d'un coup. Donc je ne suis pas propriétaire de la ligne du temps, je vais là où c'est le plus nécessaire d'y aller. Voilà. Donc du coup, c'est la raison aujourd'hui pour laquelle je suis coach quantique quand vous venez me voir. Et du coup, j'ai développé mon intuition beaucoup plus dans cette connexion directe. Ça veut dire que quand vous venez me voir, je me connecte directement à vous. Et grâce à mon intuition et ma clairvoyance, je vais aller voir vos blocages inconscients. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin non plus de poser les mains. Parce que j'ai remarqué avec la ligne du temps, grâce à la précision de cette intuition, la déprogrammation se fait et la déprogrammation énergétique se fait en même temps que je parle. Donc en même temps que j'échange, je vais utiliser les mots que vous avez besoin d'entendre, les mots qui vont déprogrammer vos schémas émotionnels passés et qui vont reprogrammer votre système par rapport à ce que vous désirez vivre ici et maintenant. Donc, vous entendez bien du coup par rapport à ce que je dis là, c'est que je suis vraiment axée sur des thérapies courtes, sur des transformations rapides. Moi, c'est ce qui me plaît. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous n'avons plus besoin de faire des longues thérapies, il y a vraiment des moyens quantiques au niveau de la neuroscience, vraiment pour que ça aille vite. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime aussi, donc et c'est ce que je fais. Donc voilà mon parcours à ce jour. Et donc quand on vient me voir, on a l'impression qu'on parle, tout simplement. Mais en fait, on parle, mais c'est au-delà de ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous.
Et puis aussi, dans cette dimension quantique et de l'unité, quand j'accompagne, quand je sens que tout ce que vous déposez me concerne, en fait. Donc, du coup, quand je vois que mon patient a du mal à bouger, je n'hésite pas, moi, à faire bouger les choses dans ma vie pour que, en résonance, ça puisse être pour lui. Donc, il y a vraiment une corrélation étroite entre la personne qui est là et moi et de la manière dont on va bouger ensemble. Et j'aime cette idée-là, vraiment. J'aime cette idée-là, c'est la raison pour laquelle j'accompagne de cette façon-là. Et j'apprécie aussi beaucoup aujourd'hui, et j'assume de pouvoir dire que mon intuition est juste et que ma clairvoyance, elle est vraiment au service de mes accompagnements, et j'apprécie vraiment ça. J'apprécie aussi que de manière très, très naturelle, vraiment très naturelle, parce que je ne décide pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'intentionnalité derrière, de volonté, on va dire plutôt, et que de manière très naturelle, l'énergie qui a besoin d'être là est là pour la personne. L'énergie de la Sainte Vierge Marie est une énergie qui est très douce, elle est très enveloppante, elle rassure, elle réanime l'espoir et la foi en nous. L'énergie christique remue. Je vois bien que quand je suis dans cette fréquence-là, je ne mâche pas mes mots. Je suis là, je secoue la personne s'il faut le faire. Quitte à perdre le patient, mais je sais pertinemment que c'est ce qu'il faut faire. Et je ne mesure pas mes mots quand c'est comme ça. Quand ça part, ça part. Je me dis, c'est pas possible. Parfois, je retiens certaines choses, je ne vais pas dire ça. Et pourtant, si, c'est exactement ce qu'il faut dire. Donc, je lâche le mot pour vraiment faire bouger la personne. Donc, tout dépend de ce qui est là et dont vous avez besoin, en fait. Mais d'une manière, c'est clair que d'une certaine façon, je suis une thérapeute qui fait bouger les choses. Voilà. Je suis là pour vous accompagner, pour vous rassurer, pour vous encourager. Je vous caresse pas forcément dans le sens du poil, parce que quand il y a besoin de dire les choses pour que vous bougez, je le dirai. Mais il y a une chose qui est très claire, c'est que je le ferai toujours par amour pour vous. Je le ferai pour votre bien. Je le ferai parce que je sais pertinemment que c'est ça dont vous avez besoin. Voilà, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de la manière dont ça se manifeste. Je pense qu'il y a en moi véritablement à la fois quelque chose de très ancien, de par le chamanisme, le magnétisme que j'ai, et en même temps j'aime ce côté moderne des choses, j'aime ce côté moderne et d'incarner cette modernité aujourd'hui. Pour moi c'est très important en tant que femme, d'avoir des sujets ouverts avec une parole libre, et en même temps voilà quoi, et j'ai aussi ce côté très ancestral, très ancien, qui est en moi, qui fait partie de moi, qui vient de mes racines. Donc mon accompagnement est très ancré dans une spiritualité très très ancrée. Ce qui compte pour moi, c'est que votre vie change. Les blablas, les grandes théories, ça ne m'intéresse pas. On me parle de 5G, 6G, je ne sais même pas de quoi on parle. Il y a des grands mots qui sont utilisés. Moi, les 6 portes, combien de portes, franchement, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et je vois bien que je suis une thérapeute qui se consacre, même si j'ai cette capacité d'aller dans la ligne du temps, dans les vies antérieures, pour voir ce que vous avez vécu. Par exemple, ça ne m'intéresse pas de savoir en quelle année vous êtes habillée, comment. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse uniquement d'aller voir, c'est quel est le blocage. Je veux juste avoir une loupe sur la situation qui s'est passée pour avoir l'information de ce que vous avez besoin de changer ici et maintenant. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, je vois bien que dans ma pratique, je vais straight to the point, vraiment là où c'est le plus intéressant pour vous. Et le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, ce qui compte pour moi, c'est que ici et maintenant, vous transformez votre vie de manière concrète. J'aime quand il y a des résultats. Et j'aime que les processus que je reçois puissent être partagés auprès de vous aussi, pour que vous puissiez en bénéficier, mais surtout que votre vie se transforme. Et maintenant, rapidement et maintenant. Donc, dans une immédiateté, vous voyez. donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous rajouter aussi dans...
dans mon parcours aujourd'hui. Donc voilà, ça donne voilà, une femme assez moderne. J'aime ça vraiment. Ouais, j'aime ça. Qui est pourtant à la fois très spirituelle, mais à la fois, j'ai aussi cette folie de vivre les choses et je suis ravie de partager la spiritualité ancrée, ouverte, de cette façon-là. Vraiment de cette façon-là. Voilà, je crois que je vous ai partagé, mes amis, avec, avec Franchis, ce que j'ai traversé et comment je suis devenue coach quantique aujourd'hui. Pourquoi cette fréquence-là? Pourquoi ce choix-là? Je crois que vraiment, pour moi, le point, vraiment, c'est de... Je suis coach quantique aujourd'hui parce que j'ai envie de vous accompagner à ce que vous puissiez vous retrouver votre pouvoir personnel, que vous retrouvez votre puissance, que vous redeveniez propriétaire de votre destin et que vous puissiez vraiment ancrer dans votre cœur que quoi qu'il arrive, mes amis, vous avez toujours accès à ce que vous désirez vraiment. Rien ne vous empêche. En fait, il suffit juste de savoir faire. Et si vous ne voyez pas ce que vous avez besoin de changer, vous pouvez être accompagné sur ça, vraiment. Mais vous avez accès à tout. On a accès à tout. On est des êtres illimités. On peut tout vivre. On peut tout avoir. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout vivre. Et vous avez le pouvoir et la puissance de tout créer. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est un cadeau incroyable. Et j'explore ça tous les jours, et même si je rencontre mes freins, mais je suis tellement heureuse de les rencontrer parce que moi j'ai envie de me sentir dans cette liberté profonde de pouvoir dire que je peux vivre ce que je veux. Et moi c'est ce que je souhaite vous transmettre. Voilà, je vous remercie de m'avoir lu. N'hésitez pas, je serais ravie que vous mettiez un petit mot aussi et de me dire que vous êtes passé par là parce que c'est toujours plaisant de voir que... dans un tel saut sincère du cœur, que ça soit aussi reçu de l'autre côté. Voilà. Mes amis, je vous remercie. Je vous remercie de toute votre confiance. Merci de me permettre de faire ce métier que j'aime. Merci de vos retours qui me nourrissent et qui m'encouragent à vous offrir toujours des contenus de qualité. Prenez bien soin de vous. Vous savez que je suis là, à disposition. Merci Lydie pour ce petit mot. Je suis à disposition pour vous pour les séances individuelles si vous le voulez, en coaching individuel. Vous savez que j'ai changé toutes mes formules parce que chaque fois que les gens viennent me voir, c'est pour transformer leur vie, ils le savent. C'est un investissement qu'ils font par amour pour eux et parce qu'ils savent que c'est un investissement qui est de toutes les façons un bénéfice. Ça c'est certain. Voilà, donc il y a les coachings individuels et puis il y a les programmes qui sont là. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les reposer. Je vous embrasse bien fort. À bientôt mes amis et merci infiniment d'être là.